Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et on va continuer les aventures de mon Lab as Code. Alors, il y a déjà un peu de monde ce soir. Salut Manon, salut Gizmo, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous m'entendez bien. Comme on dit, hein. Essaye, 1, 2, 1, 2. Est-ce que ce micro est allumé? On va le mettre comme ça. J'espère que. De ce côté-là, tout va bien. Bon, alors, je vous ai laissé la dernière fois sur un suspense. Qu'est-ce que Manon raconte? Tu as eu une journée chaud. Chaud ta journée aujourd'hui. Salut à toi, J-Cargo. Un cliffhanger, ouais. C'est ça, un cliffhanger de malade en mode, mais va-t-il réussir son routage dynamique? C'est toute la question qu'on s'est posée. Tu as eu plein de bugs, mise en place clé SSH pour une empreinte de serveur. Certains comptes avaient toujours l'empreinte de l'ancienne, et du coup, les processus auto-bloquaient. Oh là là, sur la quai. Oh là, bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Je vois le genre. Donc oui, on était resté la dernière fois sur des trucs un peu en mode mince, ça marche pas. Et puis bizarrement, 10 minutes, 15 minutes après avoir coupé le live, bah j'ai vaguement trouvé un truc. Mais avant de me lancer là-dessus directement, comme d'habitude, petit rappel, si jamais vous n'avez pas regardé les plusieurs heures de vidéos. Précédente, quel est l'objectif déjà à la base? Qu'est-ce que j'essaye d'accomplir? Eh bien, je vais reprendre tout de suite, eh ben, hop, le petit schéma qui va bien. Et donc l'idée, c'est de se monter un labo réseau composé de machines virtuelles, et de se monter ce labo réseau en utilisant des outils de gestion de configuration et d'infrastructure as code. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce petit schéma qu'on voit ici, en fait, eh bien, tout ça, ça va être de la machine virtuelle. Et tous les liens entre les machines, tous les sous-réseaux qu'on peut voir, ça va être des réseaux virtuels. Et il n'y a que ça qui va être physique, et qui est en fait bah, la machine physique, la machine présentement qui me sert à streamer. Pour l'instant, on en est où? On en est à juste ici. Hop, voilà. Donc les 5 machines virtuelles sont faites. On a nos deux serveurs DNS, notre machine qui va servir à faire, comment dire, à faire différentes manipulations. Et puis on a ici deux routeurs. Au niveau système d'exploitation, les deux serveurs DNS ainsi que le petit VPS qui est là sont sous Fedora 36 et les deux routeurs sont sous une distribution Linux dédiée au routage qui s'appelle VaiOS et dont la syntaxe rappelle les routeurs et les switches de chez Juniper. Manon qui dit l'architecture elle ressemble à un bonhomme avec deux mains en forme de poil, ah oui, effectivement, et un chapeau nuage au-dessus de la tête. Oh, c'est mignon! C'est mignon. Et donc, en quoi est-ce que ce labo réseau est intéressant? Et pourquoi est-ce que j'ai mis 6 routeurs? Eh bien, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une maquette qui représente, on va dire, une partie d'Internet. C'est-à-dire que, idéalement, comme c'est indiqué sur le schéma, chaque routeur va définir quelque part la tête de pont d'un fournisseur d'accès à Internet fictif. Et l'idée, ce sera d'avoir bah, des réseaux, alors bien entendu tout ça est en adressage privé, mais des réseaux qui pourraient contenir voilà, des serveurs virtuels, des réseaux d'entreprise, pourquoi pas des clients particuliers, domestiques, c'est envisagé. Voilou pour l'objectif. Et donc, dans les technos que j'utilise pour monter ce lab, bah, j'utilise des technos d'infrastructure as code, comme Terraform, de gestion de conf, comme Cloud Init, et je l'espère bientôt, Ansible.
Alors pourquoi utiliser ce genre de choses alors que je pourrais juste popper des VM à la main? Bah justement, c'est parce qu'avant, j'ai déjà fait un labo avec des VM à la main. Et des fois, bah, on casse un truc et on n'arrive pas à le réparer. Et là, au moins, en provisionnant tout de façon programmatique, j'espère pouvoir, en cas de manipulation, on va dire destructrice, pouvoir revenir à un état stable. Et concernant la solution de virtualisation que j'utilise, eh bien, j'utilise tout simplement KVM Libvirt. Donc, j'étais parti un peu vite la dernière fois. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas détruit et recréé le lab depuis la dernière fois. J'ai gardé les machines existantes. Et si je prends justement mon libvirt, qui est là, on peut voir que toutes les machines sont maintenant en train de fonctionner. Et ici, si je fais un petit sudo virsh list, on peut voir les 5 machines virtuelles fonctionner. On a donc les deux routeurs, les deux DNS et le VPS. J'ai donc mes confs ici, enfin mes fichiers Terraform. On a ensuite la partie Cloud Init. Et là maintenant, je suis sur le routeur, le ISP1 routeur 1. Et si je vais ici, je peux faire un petit sudo virsh console ISP2 routeur 2, routeur 1, pardon. Voilà. Hop, VIOS. Et puis si je fais un petit show IP BGP status, non, summary, pardon. Voilà. On peut voir que lui, son identifiant, c'est 10.1.2.2. Il est l'AS 65002. Et là, on peut voir qu'il y a un voisin, 10.1.2.1, avec un numéro d'AS 65001. Et si je reviens ici, j'ai enfin, pareil de l'autre côté. Donc on a ici la machine locale qui est donc l'AS 65001 et ici 110122 avec l'AS 65002. Et on peut voir que le truc est up. Alors si je refais ça, hop, on peut voir qu'il est up depuis 23 minutes. C'est juste le temps que j'ai redémarré le truc. Et c'est reparti au démarrage. Si je fais un petit history, qui est parce que ben ça a beau être une clé Juniper, ça reste un Linux et ça reste un bash derrière. Donc on peut en profiter pour utiliser la commande history et voir qu'en fait j'avais oublié de préciser ce petit truc. Donc le set protocols BGP neighbor address family IPv4 unicast. Voilà. Voilà. Et donc de l'autre côté aussi en 10.2, en 10.2, 1.2. C'est juste ça. C'est juste cette pauvre ligne. Je suis en train de me demander est-ce que je pourrais pas essayer de contacter le projet VIOS pour leur demander de mettre à jour leur documentation. Je pense que ça pourrait être utile. Ou alors, soit ils mettent à jour la documentation, soit c'est un bug et il faut le résoudre. Voili, voilou. Donc finalement, vous voyez, c'est à 10-15 minutes près. Mais d'un autre côté, bon, ça aurait fait 10-15 minutes de vidéo en plus où j'aurais été en mode « Ah oh là là, je ne trouve pas, qu'est-ce qui se passe ?» Donc bon, des fois, il vaut mieux arrêter, passer à autre chose. Et puis bah, c'est à ces moments-là que la solution saute aux yeux. On avait la dernière fois mis en place la configuration BGP de routage dynamique de façon directe comme ça sur les routeurs. Maintenant, l'idée, ça va être de reprendre ces commandes-là et de les intégrer dans Cloud Init, puis de détruire le lab et de le recréer et d'espérer que le routage se mette en place bah, tout seul. Puisque normalement, la commande sera appliquée au démarrage, tout du moins au premier démarrage du routeur. Mais avant, peut-être petit rappel, quelques petites informations, on va revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que je m'enquiquine à mettre en place un truc complètement dingue à base de routage dynamique BGP?
Comme je l'ai dit, l'idée de cette maquette, de ce lab, c'est d'avoir un truc qui, d'une certaine façon, d'une façon, on va dire, assez simplifiée, représente l'Internet public. Et les routeurs représentent les têtes de pont de réseaux d'opérateurs, de fournisseurs d'accès à Internet. Aujourd'hui, entre les différents opérateurs sur Internet, le protocole de routage dynamique, c'est BGP. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais pourquoi du routage dynamique? Eh bien, le principe, c'est que ici, on a un routeur qui représente un fournisseur d'accès. Alors, je vais zoomer un peu, hop, un peu beaucoup. On va peut-être hop, remonter ici, voilà. Et donc, aujourd'hui, si je veux que ma machine... Alors, je vais peut-être dézoomer un peu. Hop. Si je veux que ma machine ici, le DNS de gauche, puisse joindre le DNS de droite, il faut que il passe d'une part son réseau, qui est ici, le réseau d'interconnexion, puis le réseau de l'autre serveur. Et ce qui se passe, c'est que les deux machines qui sont là pour l'instant, qui font du routage, elles sont à chaque fois dans deux réseaux. Enfin, même techniquement quatre à terme, mais elles sont dans plusieurs réseaux. Et il faut qu'elles puissent s'échanger des informations pour savoir quels sont les réseaux accessibles de l'autre. Alors, on pourrait faire ça de façon ce qu'on appelle statique. C'est-à-dire que je pourrais configurer manuellement sur ISP2 et lui dire « Eh, au fait, pour aller vers le 10.1.1.0/24, tu passes par l'IP qui sera ici, qui doit être du coup 10.2.10.1.2.1. Et l'autre, lui, pour pouvoir aller vers ce réseau-là, on pourrait lui dire en dur « Eh, au fait, pour aller vers là, tu as ce réseau-là. » Vous aurez remarqué que la topologie entre ces six routeurs, elle est faite de façon à ce que chaque routeur est connecté à deux autres routeurs. Ce qui fait que si par exemple ISP1 veut envoyer du trafic dans le réseau de ISP5, ben il peut passer par ISP6, mais il peut aussi faire le grand tour. Si jamais par le plus grand des malheurs, la liaison ici, entre ISP1 et ISP6 était rompu, ou celle entre ISP6 et ISP5 était rompue, eh bien, on pourrait passer par l'autre côté. Et c'est tout le principe des algorithmes de routage dynamique, c'est de calculer en quelque sorte une sorte de coût pour les chemins de route, et de pouvoir dire, ben, pour aller à un endroit, tu peux passer par ce chemin-là, par ce chemin-ci, ou par ce chemin-là, et que voilà le chemin le plus court pour y aller, qui donc sera raisonnablement le plus rapide, mais si jamais ce chemin-là, pour une raison ou une autre, venait à disparaître, et bien il y en a d'autres. Et plutôt que de configurer de façon statique, de configurer en dur en disant voilà, ça va à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et bien on va juste dire, moi j'annonce mes réseaux à un ou deux voisins à côté, et eux vont avoir l'information et vont m'envoyer des informations en disant « Eh, au fait, si tu veux aller à tel réseau, eh ben tu peux me demander à moi. » Gizmo qui dit « Une liaison ISP6-ISP3 pourrait rajouter fortement de la redondance. » Une liaison ISP6-ISP3. Tout à fait. Tout à fait. On pourrait aussi envisager d'avoir une liaison ISP1-ISP4 et une liaison ISP2-ISP5, par exemple, l'un ou l'autre. Ça pourrait être des idées de configuration pour, une fois que la maquette de base est faite, on pourrait envisager ça comme exercice de se dire qu'est-ce qui se passe si on rajoute une liaison, qu'on paramètre le routage entre ces machines et qu'on rajoute des annonces BGP, qu'est-ce qui se passe ?
Et oui, bonsoir à toi aussi, Gizmo. Hop là. Du double attachement pour chaque brouter. Oula, alors on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, restons. C'est aussi ça que je veux. Je veux pas trop complexifier outre mesure la maquette. On ne sait jamais. L'idée aussi, c'est que cette maquette, je l'avais pas forcément précisé. Cette maquette, vous pouvez, si vous le souhaitez, la mettre en œuvre vous-même. À partir du moment où vous avez une machine avec KVM et Libvirt. Eh ben, vous pouvez aller récupérer mes configurations qui sont dans ce dépôt sur GitHub. Alors pour l'instant, bien entendu, le truc n'est qu'à moitié fonctionnel, mais ça permet au passage de pouvoir tester si vous le voulez, d'avoir votre maquette à vous sur votre machine. Ce qui me fait penser que je n'ai toujours pas sur un autre dépôt accepté la pull request de Manon. Je l'avais relue, elle m'avait convenu. Je vais prendre un petit instant pour le faire maintenant. Parce que sinon, je vais encore oublier. Poup, 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 poum. Une pull request et hop, merge pull request, voilà, voilà, comme ça c'est fait, hop là, bien. Est-ce que j'avais du code qui n'était pas committé d'ailleurs, tiens, dans mon repo ici. Hop, un git status. Alors. Ah bah. Ok. Nickel. Donc j'avais commencé à regarder. Je m'étais dit, tiens, je vais tout de suite les noter. Et il manque le. Il manque la commande sur l'unicast. Hop, qui est donc. Celle-ci. Donc là, c'est ISP1 router 1. C'était celle-là. Ah non, c'était ISP2 router 1, tiens. Ce qui veut dire que si je reviens ici et que je fais un petit history, je dois avoir le... Voilà, le set protocols. Voilà. Hop. Donc on va s'occuper de ça maintenant. Alors, ça c'est le routeur de ISP1. Ça, c'est le routeur de ISP2 où j'ai mis BGP routing. Donc... Hop. Donc a priori ça c'est ça devrait être bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit copier. Hop, je vais aller ici. On va faire un petit coller. Et en fait je m'étais trompé. C'est-à-dire qu'en fait, là, alors qu'on est sur le ISP routeur, le routeur de l'ISP2, j'avais noté les informations pour le routeur 1. Ce qui veut dire qu'ici... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Et son neighbor à lui, c'est 2-2, voilà. Donc là, on est bon. Et ensuite, ici, il faut que je change tout. Donc 10, 2, 10, 1, 2, 1, 1, 1. Ici c'est le remote AS165001. Là c'est 2. Ça c'est le réseau 10, 2 qu'on va envoyer nous. Et le neighbor en face, bah, c'est. Oui, ce sera ça. Et router ID, on n'en met qu'un. Et on va mettre ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire 10 10 2. Bah non, pas ça. Tac tac tac, c'est 10.2.1. si, c'est ça, 10 2 10 2.1.1. voilà,
Et donc ici, je dois avoir le routeur ID qui est pas bon non plus. Qui sera, voilà, 10, 1, 1, 1. On va espérer que ces routeurs ID là passent. Mais dans ce cas-là... On va voir. On va voir si ça passe. Je pense pas que ce soit tout à fait ça que j'ai comme conf. Alors... 10, 1, 2, 1, le update source. Ok. Mais le routeur ID ici, c'est 10, 1. Je suspecte qu'il faille que ici, le update source soit correspondant au routeur ID. On va vérifier ça en allant regarder justement dans la documentation de VIOS. Comme ça, on sera... je vais pas dire qu'on sera fixé, mais... Alors... Voyons voir ça. BGP, exemple... Le routeur ID, c'est seulement un ID comme indiqué. Oui, oui Gizmo, mais par précaution, je préfère le vérifier. Oui, RTFM, tout à fait. Read the find manual, d'ailleurs. Hop, allons-y. Exemple. Et là, il nous dit premier 65534. Il nous dit que son voisin ce sera 02. Remote AS 65535. Update source. Donc lui, dans son cas de figure, il a en update source lui-même et il a en router ID lui-même. La même chose. Bah, on va faire l'exercice parce qu'après tout, c'est à ça que ça sert, un lab. Ça sert à justement mettre en place des choses qui ne marcheraient pas du premier coup. Et aussi voir bah, pourquoi ça marche pas. Donc, j'ai ma conf qui est là. J'ai ma conf qui est là. Tout est enregistré. Je vais pouvoir retourner ici. Terraform init, voilà, parfait. On va aller chercher le destroy et l'apply. Donc comme d'habitude, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ici, je suis sur un lab, donc je me permets de faire des apply et des destroy en moins auto-approve. Si vous êtes vraiment sur de la production, il faut faire un plan avant et faire les choses proprement. Donc, on a a priori nos temps d'attente qui viennent de démarrer. On va pouvoir aller jeter un œil ici. Alors, ici, c'est le 2. 4. Hop. Ici, c'est le 1 qui doit être en train de démarrer. Enfin, j'espère. Voilà, si, il démarre. Ici, ça va être le 2. Hop. Et on va attendre gentiment que tout ça ait fini de démarrer. Et on va voir les jobs Cloud Init qui se déroulent. Ce qui me fait penser, est-ce qu'au niveau de mes conf Cloud Init... Non, il va se viander. Il va se viander. Voilà. Allez, on va tout de suite modifier ça. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'il va se viander? Parce que sur ce... Cette ligne-là, les lignes que je suis en train de modifier, le dernier champ n'est pas entre simples côtes. Et je ne sais pas si c'est un bug du module Cloud Init pour VIOS, si c'est volontaire ou si c'est un bug ailleurs, mais il faut à chaque fois que le dernier champ de la commande soit entre simples côtes.
Et un routeur BGP qui n'a pas d'AS, ça risque pas de fonctionner des masses. C'est moi ou c'est passé? Non, non. Ah si, ça a l'air d'être passé. Bon. Tant que j'y suis, j'ai remarqué un truc, je sais pas si on en avait pas déjà parlé, si je crois qu'on en avait parlé, mais depuis quelques versions, VIOS dispose d'un... d'une... comment dire... Il y a Podman qui est installé. Et Podman, ça permet de faire tourner des conteneurs. Hop là. Alors, si voilà, configuration error. Voilà, allez. Pif paf, pareil. Allez, et ben c'est reparti pour un tour. Et de ce que j'ai compris, la raison de la présence de Podman sur VIOS, c'est justement de pouvoir installer des agents ou des trucs de monito ou de métrologie. Je trouverais ça assez intéressant que les gens de chez VIOS en profitent de la présence de Podman pour essayer de créer des sortes de routeurs virtuels. On pourrait envisager d'avoir une machine physique avec VIOS dessus et plusieurs interfaces et certaines seraient... seraient alloués à des conteneurs. Gizmo qui dit les mecs de chez Opus font tourner une VM pour être root serveur directement dans leur routeur Arista. Ah ok. Je sais que par exemple c'est le fabricant Fortinet qui a un système de routeur virtuel, ou en tout cas de firewall virtuel, sur ses firewalls, qui s'appelle le VDOM. Donc comme ça, tu peux avoir plusieurs firewalls virtuels sur ton firewall. Alors je sais pas exactement si c'est de la virtualisation ou de la conteneurisation, mais de mémoire, ça existait... Ça existait déjà il y a plusieurs années, à une époque où je suis même pas sûr que Docker était encore sur toutes les bouches. Donc, allons-y. Je crois que j'ai oublié de... il a pas fini. Parfait, ça m'arrange. Mais il est presque à la fin. Mounting VIOS config, done. Ça me... On y est presque. Il est pas loin. Oui, c'est de la segmentation, Gizmo, je suis assez... Et maintenant, oui, Fortinet vend du firewall en VM, tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, c'est très simple, hein. Tous les vendeurs Ah, chouette, configuration success, nickel. Hop. Aujourd'hui, tous les vendeurs de firewall d'appliance, on va dire d'appliance matérielle, que ce soit les vendeurs de firewall, de load balancer, de proxy, de relais de messagerie ou autre, hein, ce genre de choses-là, ils ont aujourd'hui tout intérêt à avoir des versions appliance virtuelles de leurs produits. Ah bah c'est à eux de faire en sorte que leurs performances sont acceptables en environnement virtuel, modulo le fait qu'effectivement, ben, quand tu es en environnement virtuel, tu n'as pas de processeur de type ASIC dédié pour ça. Maintenant, aujourd'hui, on a des processeurs qui sont tellement puissants que c'est à se demander si aujourd'hui les ASIC sont encore pertinents. Donc, si je fais un petit show IP-BGP summary... Eh ben, routeur identifier, ok, cool. J'ai un neighbor en 10.1.2.2, donc je vois le neighbor, ça c'est cool, donc le voisin BGP. Et si je viens ici, que je fais un show IP BGP summary,
J'ai la même chose dans l'autre sens. Donc, a priori, effectivement, le routeur ID au niveau de BGP, a priori, ne gêne pas. Ne gêne pas. Qu'il soit différent de ce qu'on avait vu, de l'update source. C'est dommage de ne pas pouvoir virtualiser un vCPU ASIC, justement. À ce moment-là, ce serait pas de la virtualisation, ce serait de l'émulation. Salut à toi, Alexia. C'est comme. C'est un peu comme. Comment dire? Comment dire? Voilà, c'est ça, on peut pas virtualiser un ASIC. Parce que les ASIC, c'est des processeurs qui sont dédiés, qui sont pas de l'architecture x86-64, quoi. Ce qu'on pourrait, alors ce serait peut-être un peu moins efficace, parce qu'aujourd'hui l'un des intérêts de la virtualisation, c'est de pouvoir bouger ta machine virtuelle d'un, j'ai envie de dire, d'un hyperviseur à l'autre. Mais on pourrait envisager, comme aujourd'hui on a par exemple des cartes graphiques dans des hyperviseurs qui sont ensuite passées à des machines virtuelles. On pourrait envisager d'avoir des cartes de type ASIC qui sont directement accessibles depuis des systèmes invités de type firewall. Voilà, du PCI passe-through. Sauf que du coup, tu perds la, comment dire, la l'agilité de ta machine virtuelle de pouvoir la déplacer où tu veux. Et surtout ton ASIC, du coup, il va être au niveau de tes cartes réseau. C'est ça, voilà, tu perds la souplesse. Et puis surtout, tu augmentes le coût. Parce que tes ASIC, il faut bien que tu les mettes quelque part. Il faut bien que tu les achètes. Honnêtement, je pense que si un fournisseur disait, je vous vends des ASIC en carte PCI Express, pour accélérer mes machines virtuelles. Je sais pas s'il en vendrait beaucoup. Mais voilà, si ça se trouve, peut-être qu'aujourd'hui, face aux puissances qu'on a dans les processeurs, voilà, c'est. Rebonsoir Manon. Donc, toujours est-il que pour le moment, notre routage BGP. Alors, pour l'instant, on a fait les shows IP-BGP se marient. Ça a l'air d'être bon. La conf a l'air d'être bien mise comme il faut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter sur. Ah, t'as mis les enfants au lit, Manon. Eh ben, bonne nuit à eux. Pop, 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 pom. Ça m'a pas l'air une bonne affaire. Mieux vaut prendre des trucs dans le cloud. Alors, je voulais faire un petit sudo virsh console. On va prendre ISP1 VPS1. Tiens, hop. Donc là, je me connecte sur cette. Alors, je vais descendre. Non, il faut que je mette comme ça. Hop. Je suis sur cette machine-là, qui est donc dans ce réseau-là. Et l'idée, c'est que je vais essayer d'aller faire un ping vers la 10.2.1.53. 10.2.1.53. Voilà, oui, il y a des i en trop, hein. Hop. Et ça passe. Le cloud, c'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. C'est cool. Du premier coup, dites donc. Ce soir, c'est. Ça se passe pas trop mal, en fait, hein. On a eu un petit raté au début avec les commandes sur lesquelles il manquait des côtes, mais globalement. Alors maintenant, ce que je vais peut-être aller faire, c'est que je vais aller me mettre ici.
On va faire ISP2 DNS1. Hop, voilà. Bon, lui, il a ok. Et ping, et on va vers 10.1.1.53. Ça passe, c'est la .101. Ça passe aussi. D'ailleurs, j'ai pas encore compris ce qu'est exactement. C'est une entreprise, Gizmo. C'est une entreprise qui tourne déjà depuis quelques années. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai comme l'impression qu'ils proposent de l'hébergement cloud. Ils ont leur propre cloud et tu peux aller acheter des VM, quoi. Mais je suis pas sûr que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit des trucs. Enfin, honnêtement, je sais pas trop. Faudrait que j'aille vérifier un peu plus. Mais j'étais allé jeter un œil à leur site il y a un petit moment de ça. Justement parce que j'avais entendu parler de l'entreprise et je me disais c'était quoi leur truc. Mais c'est du compute en fait. De mémoire. Mais je veux pas dire de bêtises, hein. Je vais pas aller regarder ça tout de suite. Manon qui nous dit Jean-Claude DevOps. merci Jicargo pour l'explication. Comme ça au moins. Effectivement, du style pass, tu déploies ton code juste et eux s'occupent des machines et de scale up down. Ok. J'avais un doute, j'étais pas tout à fait sûr. Donc merci Jicargo. Bon, pour en revenir à notre routage. Parce que là, moi, je suis dans mon cloud privé. Avec mon petit routage qui fonctionne, en fait. Donc ça veut dire qu'en gros, la base de ça, ben c'est fait. C'est fait. Et on va pouvoir aller s'attaquer au reste en fait. On va pouvoir s'attaquer au reste. Alors ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être moyen qu'on s'occupe de ISP3. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à plus d'un titre. Parce que on a nos ISP ici là qui vont avoir du coup leur route qui va être annoncée. Et ensuite, on a les VPS. Donc il va falloir que tout ce petit monde puisse communiquer avec les DNS. Et idéalement, il faut aussi que tout ce petit monde puisse sortir sur Internet. Donc je pense qu'il y a un moment où il va falloir que nos deux ISP ici annoncent la route par défaut. Ce qui ne se fait pas sur Internet. Dans le merveilleux monde de BGP. Ce qu'on appelle en fait la full view, qui est justement la table de routage complète de l'Internet public, bah, du coup il n'y a pas de route, il n'y a plus besoin de route par défaut puisqu'on a toutes les routes. Mais dans mon cas de figure, vu que je veux quand même faire sortir mes machines sur Internet et qu'en théorie, la full view serait limitée à ces réseaux-là, ben, faut bien que je trouve un petit moyen de passer à un moment dans le, on va dire, dans le vrai Internet, le grand Internet, le grand dehors. Donc, bon... Ouais, on va faire ISP3, je pense que ça va être très instructif ce soir. Alors, pour cela, on va revenir ici. Non, d'abord la partie Terraform. Alors la partie Terraform, je pense qu'elle va être relativement simple. Ce qu'on va faire... C'est qu'on va faire un petit cp-vp de... isp1compute.tf dans isp3compute.tf et je vais me mettre ici, je vais me mettre là,
On va ouvrir un nouvel onglet. Et puis on fait un edit de isp3compute.tf. Il n'existe pas. Qu'est-ce que je me suis encore... Ah d'accord, c'est parce que j'étais pas directement dans le... Bon bah hop. Et du coup j'ai mon ISP3 compute qui pour le moment fait encore de l'ISP1. Alors donc du coup ce que je peux faire c'est que je peux faire de façon assez grossière hein, 2.s slash ISP1 slash ISP3. Voilà. Donc ça, hop, voilà. Sauf que là, j'ai un DNS et un VPS. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter tout ce qui est DNS. Ça, ça dégage. Router 1, bah oui, il faut le garder. Router 1, VPS, oui. DNS, hop, ça dégage. ISP3, router 1, VPS 1, VPS 1, DNS, hop. Voilà, routeur 1. Alors, ISP3, ISP2, ça c'est bon. Ou pas. Alors, si on regarde, lui, son interface de gauche, ce sera vers l'ISP4. Donc, si j'ai dit ETH, ETH0, ETH1, ce sera vers l'ISP4, et l'ETH2, ce sera vers l'ISP2. Donc le TH1 ici, ce sera ISP4, ISP3. Et là, ici, ce sera ISP2, ISP3. Et il n'y a que trois interfaces. Donc il faut que j'enlève la quatrième. Hop, voilà. La console série, la console Virtaio. Spice, ça c'est bon. Ouais, on va faire comme d'habitude. Je vais faire dormir les... hop. Là, on n'a pas besoin de ça. Par contre, ici, du coup, il faudra que je mette un slip à 60 secondes. Hop. Sur le VPS 1. Et donc ensuite, là, on a toute la partie DNS. Mais ça, on a dit qu'on s'en fichait. Hop. Voilà. Donc là, normalement, au niveau Terraform, ce que je viens de mettre, ce que je viens de configurer, c'est, si je reviens sur le schéma ici, c'est ce routeur-là et le VPS, le premier VPS du nom. Alors, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? Est-ce que je commence gentiment avec un seul VPS ou est-ce que cache, je mets les trois VPS? À votre avis, est-ce que je la tente en mode même pas peur YOLO, ou est-ce qu'on se dit qu'on met d'abord en place, on y va petit à petit, est-ce qu'on essaye de pas griller les étapes? Dites-moi dans le chat. D'abord un, puis si tout va, on triple. Donc Alexia est plutôt d'humeur prudente. Pendant que d'autres y réfléchissent peut-être, ce que je vais faire, c'est que je vais aller côté Cloud Init. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit cp-vrp. On va dire ISP1 router 1 en ISP3 router 1. Voilà. Ça permet d'avoir un script propre pour lancer en prod après. Oui, ça se tient complètement. Et puis, on va faire donc moins VRP de ISP1 VPS. ISP1 VPS1 dans, bah, du coup, ISP3 VPS1. Euh,
Hop, et donc on va faire ISP, hop là, ISP 3 router 1 user data, hop, et ISP 3 VPS 1 user data. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait une bonne ref pour un capteur de température sur IP? Alors Gizmo, là comme ça, un capteur de température sur IP, non, je n'en ai pas. Je n'utilise pas ce genre de d'objet. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas des stations, façon station météo, les petites stations météo qui causeraient en IP ou en Bluetooth. Donc ça, on est encore sur le routeur. Voilà, donc là, on va remplacer tout ce qui est 2.s/ISP1/ISP3/. Voilà. On a dit que la ETH3, elle n'existait pas. La ETH... Alors, hop, on revient. La ETH0, ça va être 10.3.1. Et on va dire ici, on va mettre ISP3, ISP3 net. DHCP, nanana. La ETH1, donc on a dit qu'on allait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est le TH1 à gauche et aller vers ISP4. Donc c'est ISP3, ISP4. Et le TH1, on enlève le DHCP et son réseau ici, ce sera 10.3.4. 10.3.4. Et du coup, bah, ce sera le 1. Voilà. Ensuite ici, ce sera ISP2, ISP3. Et du coup, ce sera le réseau 2.3 et on est en point 2. Ok, cool. Alors, Alexia Gossa qui propose un multimètre avec connexion sur IP. C'est un peu abusé, mais pour des tests, ça peut faire le job. Ah, pas mal. Pas mal comme idée. Je savais pas qu'il y avait des multimètres avec connexion IP. La default gateway. Alors, la default gateway, eh ben, on va pas la mettre. On va pas la mettre pour le moment. Hop. Et ensuite, on a NAT source. Alors, ce sera pas... outbound. Ah, oula. Bah non, il n'y aura pas de NAT en fait. Il n'y aura pas de NAT. Donc, hop, hop, hop. Donc, pas de... Est-ce qu'on va mettre un DHCP? Ouais, on va mettre un DHCP. Alors. Ce qu'on va faire. Hein, toc. 10.1/10.3.1. Et on va voir ce que ça donne. Donc le range, il démarrerait en 10.3.1.9, il terminerait en 1. On va plutôt lui dire 99. Le default router, ce sera lui 10.3.1.1. Ok. Name server, bah, on va lui dire 10.1.53. Hop. Example.com, le lease, ok. Le cache. Ah oui, c'est vrai qu'il a un cache forwarding. Donc on peut lui mettre ici 10.3.1.1. Ouais, non, on va pas le mettre. Hop. 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 BGP routing. C'est là où ça va devenir amusant. Donc lui, ce sera la S65003. Et son neighbor en face, ça va être 10.2.3.1. Ça va être 10.2.3.1. Hop. 10.2.3.1.
10.2. Point 3, point 1. Son remote AS, c'est effectivement 65002. On va refaire la même ici, 10.2.3.1. Update source, ben lui, ce sera 10.3. Ben non, ce sera 10.2.3.2. Voilà. Unicast, ok, IPv4, Unicast, router ID 10.3. Hein. Voilà. Je pense que là, pour lui, je suis bon. Tiens, et juste pour être pour la blague. Hop. Donc a priori, mon routeur, il est là la conf. La conf, elle devrait le faire. Ensuite, lui, c'est ISP1, DNS1, ISP2, ISP1, VPS1, ISP1, VPS1. Donc lui, normalement, ce sera... Voilà. Donc on va lui changer aussi son IP. Et ce sera à ce niveau-là où on va lui dire qu'il est en 10.3. Donc sa gateway en 10.3. Et par contre, on n'a pas besoin de lui faire ça. Et comme on n'installe pas fail-to-ban non plus. Et on va pas installer Ansible. On va garder git core au cas où. Et le final message sera ISP3. Hop, ISP3 VPS1. Donc là, normalement, on devrait être pas trop mal. J'ai juste un truc qui va m'enquiquiner. C'est que le routeur 3, ce qu'on va faire, on va lui rajouter un truc. Le routeur 3... Je vais leur ajouter une attente, en fait. Je vais lui rajouter une attente qui sera celle sur... alors, si je repars par là... ils sont où les timers? Ils sont là, time sleep. Alors, j'ai un time sleep qui dépend du ISP1, DNS1. Je l'aime bien, celui-là. Je vais prendre celui-là. Hop. Copier. Alors, si ça se trouve, j'ai des copies là au niveau de mes time sleep. Donc, a priori, l'idée c'est qu'il attend 60 secondes pour démarrer le VPS depuis le. En tout cas, le VPS démarre 60 secondes après le routeur, ce qui est très bien. Le routeur, je vais vouloir le faire dépendre du premier DNS. Non? T'en veux pas? Hop. Ah oui. Donc ici. Non. Ici. Je vais vouloir le faire attendre. Ouais, sur le premier DNS. Voilà. Alors pourquoi je veux le faire attendre sur le premier DNS? En gros, si je reprends mon schéma, qu'est-ce qui démarre en premier lorsque je pop, lorsque je repop mon lab? Eh bien, d'abord, je repop les deux routeurs. Après, je pop les DNS. Une fois que les DNS sont en place, lui, quand il pop, il peut utiliser les DNS pour aller sur Internet. Donc, si lui, il attend aussi que les DNS soient prêts, eh ben, les VPS, eux, auront les DNS de prêt. Et comme les DNS attendent que ces routeurs-là soient prêts, ben, à partir de ce moment-là, en fait, tous mes routeurs ici, ils attendront pour popper que eux soient up.
et ils pourront démarrer tous en même temps, ce sera pas gênant. Et à partir du moment où ce qu'il y a derrière attend que lui soit démarré, bah ce sera amplement suffisant. Je pense qu'en termes de dépendance, on est pas trop mal. Ça fera pas tout popper en même temps, donc je devrais pas avoir un gros pic de CPU au moment du démarrage. De toute façon, ça se trouve, Terraform va de toute façon dire je vais pas tout démarrer en même temps, mais au moins ça va limiter la charge. Et pendant ce temps, Alexia qui dit oui, tous les multimètres un peu sérieux ont une liaison sur IP ou une interface I3E488. Je pense pas avoir un multimètre un peu sérieux, mais bon, j'ai un multimètre. Très bien. Donc normalement là, si je tente un Terraform plan, juste par curiosité, il me dit quoi? Il me dit 7 to add, 0 à changer, 0 à destroy. Et je pense qu'il va falloir ajouter un autre truc. Alors la question c'est est-ce qu'on rajoute tout de suite? Parce que là, pour le moment, j'ai créé la conf BGP sur le routeur 3 pour se connecter au routeur 2, mais je n'ai pas créé sur le routeur 2 la conf BGP pour discuter avec le routeur 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la préparer tout de suite sur le routeur 2. On est là. Je voudrais vérifier au niveau de mon interface. Est-ce que j'ai ISP2, ISP3, donc elle est là, l'interface. Si je fais un show IP, non, si je fais un show interface, hop, donc a priori, U ça veut dire hop, state link, donc la ETH2, non la ETH1 qui va sur le 10.2.3.1, elle est up. Elle est up. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux refaire un show configuration. Et la partie BGP, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est qu'on va pas lui dire. Alors, configure déjà. Et on pourra dire set BGP. Ah oui, set protocols BGP. Hop. On va lui dire, on va lui parler du neighbor, hein. Hop, BGP neighbor, et le neighbor ce sera 10.2.3.2, adresse family, IPv4 unicast, hop, voilà, alors, pendant ce temps, Alexia, j'aime beaucoup le concept de Terraform, sauf qu'il faudrait que je creuse davantage le sujet pour savoir ce qu'il est possible de faire et avec quel prestataire. Hélas, je manque de temps, les journées sont trop courtes. Alors oui, je suis complètement d'accord, les journées sont trop courtes. Par contre, quand tu dis savoir ce qui est possible de faire et avec quel prestataire, tu veux dire par prestataire, tu veux dire par fournisseur de cloud, par exemple? Donc pendant ce temps, moi, je vais configurer mon BGP. Hop, bah alors, t'es où? Hop là, allez. 10.2.3.2, voilà. Et on va lui dire par exemple, actuellement, tu as une dizaine de serveurs physiques. Chez OVH avec tout un tas de VM, c'est pénible de gérer tout ça. Tes serveurs physiques chez OVH avec tout un tas de VM, ils fonctionnent sous quel OS? Alors, je vais reprendre peut-être ma conf ici. Ça, c'est bon. Ils sont où mes routeurs? Là. Ça, c'est le routeur 1. Et le routeur 1, on lui a dit... ah oui, il faut que je mette le BGP multi-hop. Je pense pas que ce soit très obligatoire, mais... mince, je l'ai paumé. ISP, pardon, ISP 1, routeur 1, voilà. Et on disait...
Ah oui. Neighbor et BGP. Ah oui. Neighbor, on lui a dit EBGP multi-op. EBGP multi-op 2. Voilà. Ils sont sous VMware, vSphere, v6.6.7 en majorité. Je pense, on peut regarder un petit instant vite fait. Hop. Terraform. On va dire ESX. ESX.6.7 provider. Terraform provider. Voilà. Donc, feature compatibility. Terraform will create, destroy, update and import resource pools. Guest VM, import extra storage, vSwitch, port group. This is a provider, not a provisioner. Alors, ça configure pas la guest VM, ça la crée, ça on s'en doutait. Et pour configurer, il faut utiliser un provisionneur. Il existe des provisionneurs. Ah ! Bah, c'est ce qu'on utilise. Ah oui, d'accord, tu peux faire du salt masterlet. Ah oui, ça local exec, remote exec, ça je me rappelle. On en avait vu lorsque j'avais fait joujou sur Google Cloud. Mais c'est un peu dommage, il n'y a pas d'Ansible. Sinon, ça aurait été royal. Ça aurait été royal. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un article. Utiliser Terraform pour déployer une VM dans ESXi. Ok. Avec du PowerShell. Ouais, un peu chelou son truc. Mais voilà. En fait, le principe, c'est quand tu te demandes si... Si Terraform peut fonctionner avec ta solution de virtualisation adorée, bah, c'est très simple, tu cherches Terraform, ta solution de virtualisation adorée, provider. Alors bien entendu, Terraform fonctionne avec la plupart des fournisseurs cloud du marché. AWS, Google Cloud, Azure... Alibaba, Oracle, ce genre de choses-là. Tu as les outils, entre guillemets, cloud interne. Alors, je ne sais pas si pour de l'OpenStack, ça passerait. Mais aujourd'hui, déjà, sur du KVM Livirt, moi, c'est ce que j'utilise, en fait. Si je reviens dans ma conf Terraform qui est là, si je te montre le fichier main... Tu vois, en gros, il dit juste, hey, au fait, j'utilise en provider le provider libvirt. Ce qui d'ailleurs est assez pratique, il faudra peut-être que je teste, ça pourrait être marrant, de voir si je peux popper des conteneurs avec Terraform. Parce que libvirt, je crois, permet de popper des conteneurs. Et puis, d'autres solutions de cloud privé. Donc, on a vu du VMware. Ça peut aussi utiliser du... je crois qu'il existe un provider pour Proxmox et un autre pour Xen Orchestra. Bien. Pendant ce temps, alors, moi, au niveau Terraform, là, ça m'a l'air bon. Au niveau Cloud Init, on dit qu'on était à peu près bon. Ce que je voulais, c'était... Oh bah de rien Alexia, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si je peux donner un coup de main et que ça me fait sans effort, je me gêne pas. Je me gêne pas. Hop là. Donc, j'avais fait quoi? J'avais fait ça, le remote AS. Tiens, ça peut être pas mal. Hop, remote AS. On sera 65003. Voilà. Update source. Hop. Et bien ici, ce sera 10.2.3.1. Voilà. Alors, BGP. Non, je vais être ici.
Et là. Non, et là. Set protocols BGP neighbor. Adresse family. IPv4 unicast. Voilà. Ah bah il y est déjà, ok, parfait. Et set BGP parameters router ID, bon ça je l'ai déjà. Mais on aura. Bah, il manquera plus que le address family. Donc ce sera celui-ci. Sûr qu'il y a de commande diff. Ah, c'est le diff classique. Ok. Alors, le commit est passé. Dans le loop, je vais faire un petit save. Voilà. Donc ça, normalement, ça devrait être bon. Bah, j'ai plus qu'à appliquer. Alors, pourquoi il n'en veut pas? ISP3 compute. Libvir domain. Quand retrieve network ISP4-ISP3. Ah. Alors. C'est que je me suis trompé. C'est ici, ce sera ISP2-ISP3. Et ici, ce sera ISP3-ISP4. Ah bah non. Non, non. C'est dans l'autre sens, autant pour moi. C'est ISP3, ISP4. ISP3, ISP4. Et ici, ce sera ISP2, ISP3. Voilà. Pas forcément évident à bien... Alors. On recommence. Voilà. Si je regarde ici, j'ai le ISP3 router 1 qui est running. Ok, ça c'est cool. On va aller ici. On va quitter ce shell là. On va aller faire ISP3 router 1. Et on va regarder ce que ça donne. Donc il est en train de démarrer. Et alors, est-ce que la conf va être appliquée proprement? Est-ce que la conf va être appliquée proprement? Alors, pendant ce temps-là, à la limite, ce que je vais en profiter... Ah, il n'a pas encore... Si, ça y est, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, on va faire un petit git status... Et on va committer ça tout de suite. Hop, et on va dire ici ISP1, ISP1 router 1. Voilà. On va faire la même sur ISP2 router 1. Voilà. Push. Status. Et. T'es où? 5, 6, 7. Alors, il y est presque. Il a dit. Ah, failed. Il a failed.
Ok. Alors, il a failed. Alors, qu'est-ce qu'il a mis comme conf et qu'est-ce qu'il n'a pas mis comme conf? Alors, vu que c'est un bash, est-ce qu'on peut pas se faire un petit sudo moins i et aller dans var log et on doit avoir un un cloud init output. Hein, tiens, allez. Non. Et là, si je vais juste dans cloud init.log. Pattern not found. Non plus. Zéro fêlure. Ouais. On va s'y prendre autrement. Ok. Ok, bon. Eh ben, on va faire un petit show configuration. On va bien voir ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, ETH0, ETH1, ETH2. Ça y est. Protocols. Ok. Salut à toi, @zebi. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Tu sais pas vraiment. Alors, je fais pas. Enfin, je fais pas de la programmation. C'est pas du développement. C'est de l'infrastructure as code. En gros, le principe, c'est de mettre en place une plateforme composée de machines virtuelles de façon plus ou moins programmatique en utilisant des fichiers de conf. Et ces fichiers de conf sont dans un format qui est compréhensible par un logiciel qui s'appelle Terraform. Qui justement, le principe, c'est que Terraform, tu lui dis « Tiens, v'là mon infrastructure, je te la décris. » Et Terraform la met en place. Et l'idée, c'est de créer un labo. Et ce labo, j'ai fait un petit schéma qui est là, que je te montre, que je vous montre à tous et à toutes. Hop, et en fait, l'idée, c'est d'avoir une sorte de maquette réseau avec différents routeurs et de mettre en place voilà, tous ces sous-réseaux qui s'interconnectent entre eux. Et pour le moment, on est en train d'essayer de mettre en place le routeur numéro 3 qui est ici, avec une première machine virtuelle derrière ce routeur, lui aussi virtuel d'ailleurs. Voili, voilou. En tout cas, merci pour le compliment, parce que c'est passionnant, c'est quand même un compliment. Donc merci à toi, j'espère que ça te renseigne un peu plus sur ce que je suis en train de faire. Et donc là, en gros, j'ai a priori au démarrage mon routeur 3 qui a des options qu'il n'a pas aimées. Et de ce que je vois, il n'a pas configuré le BGP. Il n'a pas configuré le routage dynamique BGP. Donc si je fais un petit show interface sur le routeur direct, j'ai bien mes interfaces qui sont up. Donc si je fais un petit IP route ou un show plutôt show IP route, j'ai la 10.2 directement connectée. Donc si je fais un ping vers 10.2.3.1, tiens, ça répond. Si je fais un ping vers 10.1.1.53, donc ça, il a pas. Network Unreachable, logique. Logique, puisqu'il a pas de route par défaut en plus.
Default BGP instance not found. Ok. Donc, on va revenir sur notre... hop, ici. Qu'est-ce qui nous manquerait? ISP2 route 1. Si je fais un ping ici vers 10.2.3.3.2. Ok, donc ce que ça veut dire, c'est que pour le moment, si je reprends mon schéma, ce réseau-là, il est fonctionnel, lui et lui se ping. Ok. Ce que je vais faire, c'est que... alors le VPS, on s'en fiche. Hop. Ce que je vais faire, c'est que... je vais prendre à la main mes commandes que j'avais dans mon cloud init et je vais les 10.3.1.0. Est-ce que c'est le bon network? 10.3.1.0. Ouais. Default router 10.3.1.1. Si je fais un show interface 10.3.1.1, c'est lui. Ok. Mais ouais, je pense que je vais rajouter mes trucs au niveau BGP à la main. Puis on va voir où est-ce que ça s'en va. Remarque, il est censé avoir un site system name server. Ah, lui par contre, il peut pas le... il doit pas pouvoir le joindre. Est-ce que je l'ai mis ou pas? Est-ce qu'il est passé? Show configuration. Oui, il y est. On va le changer de toute façon. Et ce sera 10. Hop. D'où l'intérêt que les DNS soient up avant. 10.1.1.53. Donc c'est-à-dire que lui, en serveur DNS, je lui dis ce sera lui. Remarque, dans un premier temps, je vais peut-être mettre le 10.2. Parce qu'au niveau des routes, pour le moment. Allez. Il m'a bien mis 3.pool.ntp.org aussi en 3.pool.ntp.org. Ok, donc jusque là tout va bien. Et ben vraiment ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez, hop, on va mettre la conf BGP à la main. On copie et on colle. Mais avant, configure. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Enfin, après, de toute façon, c'est au commit qui va dire au fait, finalement, non. Ah, ici il y a écrit 10, 1, 2, 2. Je pense que c'est ça le problème. Et ensuite, hop, le routeur ID que j'aurais peut-être dû mettre avant. Et puis on fait un commit pour appliquer la conf. Il m'a pas dit d'erreur. Je save par acquis de conscience. Et je fais un petit show IP. Faut que d'abord je décode la conf. Voilà. Je fais un petit show IP BGP. Et là il m'annonce. Il m'annonce le réseau en 10.1.1.0. Et ça c'est classe. Donc si je fais un ping maintenant vers 10.1.1.101, ça part dans un sens mais ça ne revient pas. Bon, on verra plus tard. Mais déjà, si on fait un 10.2.1.53, oui, ça répond.
Ça répond. Donc la bonne nouvelle, hein, c'est que si je reprends mon schéma, si je reprends mon schéma, lui, il est capable d'atteindre lui. Maintenant, on va essayer de se connecter là et voir si on arrive à atteindre là. Ah, ça a pas l'air d'être ça. Alors 10, 3, 1, 101. Donc déjà, est-ce que j'arrive à ping 10.3.1. Ouais, ça, ça ping. Si je tente l'interface d'après, la 10, 2, 3, 2. 2.3.2. Oui. Et est-ce que j'arrive à avoir la 10, 2, 3, 1? Là, par contre, ça n'est pas le cas. Alors, on va aller sur le routeur 2. On va tiens, faire un petit show IP BGP. Oups. Voilà. Show IP BGP. A priori, j'ai le 10.3 qui est là. Et si je le dis ping 10.3.1.1. Ah, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Donc il y a un petit souci dans ma conf. Alors. Router ID 10.3.1.1. Dix, deux, trois, deux. Ah, le update source, je l'ai pas en mon. Non, si. 10, 10, 1, 2, 1, 10, 1, 2, 2. 10, 2, 3, 2, 10, 2, 3, 1. Alors, routeur ID, 10, 2, 1. Mais ça, les routeurs ID, on les a pas. Remote AS 65003. Ouais, donc j'ai le réseau 10.2.3, mais j'ai pas le réseau 10.3. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Valide. Best. Alors, elle est valide, mais elle n'est pas la best. Tiens, c'est marrant. Alors que le 10.1.1. Next hop, 10.2.3.2. Étonnant. Étonnant. Ah oui, effectivement, là, il part... ok. En gros, là, c'est pas la meilleure route. Et comme il a ici la route par défaut, qui est du coup une route sélectionnée, il essaye de partir sur le réseau via la 122. Ok.
Ah, mais je... Pourquoi j'ai ici un network en 10.3.1.0? Je me suis... Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, je me suis trompé d'endroit. Fallait pas que je le mette ici. Parce qu'en gros, ça veut dire que j'annonçais la route 10.3.1.0. C'est pas normal. Pas de soucis, Alexia. Bonne soirée à toi aussi. Mais il n'y a pas de souci, regarde Terraform et puis bah repasse nous voir. Hein. Allez, bonne nuit à toi, bisous à toi aussi. Alors, ça y est, on a la 10.3.1 qui est apparue via BGP. Ah bah voilà. Et si je fais un show IP BGP, paf, elle est passée en meilleure route. Donc maintenant, si je reprends mon ping, 10.3.1, ça ping. Voilà. Et si maintenant je vais ici. Que je m'enlevais de là, 10 nana, VPS 1, que je reprends mon ping, ça ping. Et si je vais sur 10.1.1.53, est-ce que ça passerait? Eh oui, ça passe! Mais de rien, Manon, ça me fait plaisir. Je l'ai fait en plein stream, parce que si je le faisais pas en plein stream, j'y pensais pas. Et comme c'est super chouette ce que t'as fait, ce serait dommage que ça traîne. Donc ça c'est très cool. Parce que faut que vous voyez un truc. Faut que vous voyez un truc. Là, je me connecte. Je suis sur le ISP1 router 1. Si je fais un show config, ou même un show conf, hop. Il n'est nulle part indiqué. J'ai juste en neighbor, j'ai juste la S65002. Ok. Donc là, le routeur de l'ISP1, il n'a aucune information sur le routeur ISP3. Lui, pour l'instant, il ne peer qu'avec lui. Donc le fait de faire du peering, donc de se communiquer des routes BGP. Ils sont juste entre ISP1, lui il est juste avec ISP2. Et pourtant, si je fais un show IP route, eh ben on peut voir que le 10.3.1.0/24, il est apparu via le routeur 2, le routeur, enfin pas le routeur 2, le routeur de l'ISP2. 10.1.2.2, c'est lui. C'est le routeur ISP2. Et c'est ça qui est classe. C'est ça qui est très classe. Donc à partir de ce moment-là, eh ben, si je viens ici sur le ISP2 routeur 1, on peut revérifier. Hein, je refais un. Bah, j'ai mon show IPBGP qui est là. On a le 3, on a le 1, on a le 2. Bah, le 2, c'est normal, c'est à nous. Mais voilà. Et si je viens sur ici. Non, pas le VPS. Hop, le ISP 3 VPS1, je vais le quitter. Si je reviens ici sur le routeur et que je refais un show IPBGP par exemple, eh ben on peut voir que la route vers le 1, elle est apparue. Et que son next hop, donc le routeur pour aller la rejoindre, c'est le 10.2.3.1, c'est-à-dire le routeur 2. Enfin, pas le routeur 2, le routeur ISP2. Donc lui encore. Donc lui. Il est connecté à lui, mais il est aussi connecté à lui. Du coup, il a indiqué à ISP3, au fait, j'ai la route pour aller vers ISP1. Et il a dit à ISP1, au fait, j'ai la route pour aller à ISP3. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est même plutôt très cool. Je vais me reconnecter sur le VPS et je vais faire un petit RPM-QA pipegrep git. Donc, a priori, je n'ai pas git d'installer. Est-ce que j'avais indiqué. Ah ouais, mais alors il n'a pas dû réussir à s'y connecter. C'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant,
Pour revérifier que tout ça, ça fonctionne bien, je vais rajouter du routage. Alors, ce que je vais faire ici, c'est mettre ça là. Je vais mettre ça là. Parce que ça, c'est les règles, j'ai envie de dire, ça va être les règles génériques. Hop. ISP 1, routeur 1. Ça, c'est lequel? Ça, c'est le 2. Ok. Ça, c'est le 1. Voilà. Donc, si je reviens ici, git status. Ok, donc c'est juste ça. Et ici, c'est juste ça. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est faire un petit git commit de ces deux fichiers. En fait, on va les faire en même temps. Hop. Ouais, je sais, je commit directement, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Hop, et je lui dis ISP 1, hop, on va faire ça, 1,2, routeur 1, réorg, BGP directive. So, générique directive, R first. Voilà. Hop. Et on push. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller sur le routeur 2. Hop. Et là, j'ai tout ce qui est. J'ai tout ça pour aller vers le routeur 3. Enfin, le routeur ISP3. Ici. Là, c'est 65001, 65002. Et en gros, hop, on va virer. Hop là. Hop. Et donc, on a quoi ici? 10, 2, 3, 2. Alors. Et il faut juste que je lui dise au fait, il te faut des simples côtes partout. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on a la conf du routeur ISP2 pour communiquer avec l'ISP3. Donc, ce que je peux faire ici, c'est refaire un petit git status et on va refaire un commit. Hop, comme ça. Je vais faire un git diff d'abord. Ok. Et on va lui dire directement là, on va lui faire ici sur la ligne de commande, on va dire ISP2 routeur 1. On git push. Donc jusque-là, tout va bien. Et ici on est bon aussi. On va juste lui dire, lui, le routeur ID, il vient là, et le address family, il vient là. Voilà. Et on va virer tout ce qui ne nous sert pas en termes de commentaires. La default gateway, hop,
on n'en met pas pour l'instant. Configurer le NAT, ben, on n'en met pas non plus. On laisse un, ça. Le DNS forwarder, on a dit qu'on le mettait pas. Voilà. Et donc, a priori, on est propre. Voilà. Donc, avant de committer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros cataclysme. On va tout destroy et on va tout réappliquer. Allez, c'est parti. Et donc là, en fait, ça va être tout l'intérêt justement de faire ça avec Terraform, c'est que là, il y a toutes mes VM qui ont disparu et qui vont se recréer les unes après les autres de façon automatique. Et on va espérer que... Donc on a déjà les deux premiers routeurs, ensuite on va avoir les DNS, et puis on va avoir le VPS et le troisième routeur qui vont arriver. Donc, où est-ce que j'en suis? Bah, ISP1 routeur 1, hop, te revoilà. Hop, ici, ça va être ISP2 routeur 1, et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire ISP3 routeur 1. Ah, qui n'a pas encore apparu, ce qui est normal, puisque le reste n'a pas encore pop. Du coup, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Mais comme ça, on est à peu près certain que ça démarre. Je suis assez content, ça se passe plutôt bien là ce soir. Hein. Honnêtement... Honnêtement, ça se passe plutôt bien. Alors généralement, je m'arrête à 22h le jeudi. Là, j'ai démarré un peu tard. Je crois que je démarrais à 20h20. Où est-ce que j'ai mon petit timer? Mais il me dit 1h40. Voilà, c'est ça. J'ai démarré 20 minutes en retard. Je pense que du coup, je vais continuer, les 20 minutes. Ça pourrait être pas mal que je termine par avoir les trois petits VPS. Alors, WatchFRR, ok. VIOS done. Ça, ça veut pas dire que ça s'est bien mis, mais on en est pas loin. On n'en est pas loin. Allez. Configuration success. Donc ça, c'est le routeur 1. Et on a le routeur 3 qui est running aussi. Allons-y. Donc, routeur 2, success aussi. Ça, c'est cool, parce qu'on a modifié sa conf. Et non, c'est pas lui que je veux. Hop, c'est ici. Voilà. Et là, lui, il est encore en train de démarrer. Ouais. Et il y a tout juste le VPS1 là, qui est en train de démarrer aussi. Alors, est-ce qu'on peut vérifier pendant ce temps? Fin show IP BGP. Là pour l'instant, il a. Ah, il a déjà le 2. Il a déjà le 2. Si je vais ici. Il a le 1 et le 2 aussi. Et là, est-ce que la conf va passer? Roulement de tambour. Alors, configuration success. Alors, du coup, on va regarder ici. Et hop, ça y est, la route vers le réseau ISP3 est passée. Nickel. On va se connecter.
Et lui, en plus, il doit avoir la route vers le réseau ISP2 et réseau ISP1. Show IP BGP. Et effectivement, on a le 1, on a le 2 et on a le 3. Et on peut voir le chemin d'ailleurs, il faut passer par ISP2 puis par ISP1. Nickel. C'est génial ça. C'est fantastique. Maintenant, on va aller ici. Le VPS, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il a réussi à faire des choses? Déjà, il dit 3-1-9. Ça, c'est pas bon signe. Ça, à mon avis, ça veut dire que le VPS a lancé sa conf Cloud Init trop tôt. Voire même peut-être pas du tout. 10.3.1.9, c'est la... Oui, c'est la première IP de mon DHCP, tout à fait. Sauf que si je vais voir dans la conf ici Cloud Init. ISP3 VPS1, je lui ai demandé de se mettre en 10.3.1.101. A priori, il a juste pris le. Ah, pourtant, il m'a créé mon username. Il m'a créé mon username. Il m'a mis le password. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Et normalement, il est censé m'avoir installé. Il est censé m'avoir installé Ifttop, LSOF et Git Core. Donc ce que je pense, c'est que il devait pas avoir. Alors en fait, ce que je suspecte, c'est que il a démarré trop tôt et qu'il lui manquait, il lui manquait des accès. Donc la conf, de toute façon, si la machine. Enfin, là maintenant, si je fais un ping vers 10.1.1.53, ça passe. Donc il accède à ce DNS-là. Si, c'est quoi? C'est Resolve CTL. Donc il a bien le bon. Le bon. Le bon DNS. Ethernet, ETH0. Non. Ah, j'ai pas NMTV. Parce que là, de toute façon, il me met juste au fait 10.3.1.9. Et là, il me dit quoi? Initial client, pre-networking, metadata, exited. Inactive dead. Ok. Un peu bizarre.
Donc c'est normalement lui, il a le bon nom. Bon, ça c'est la conf par défaut. Ah, bah en fait c'est qu'il avait pas fini, dis donc. Il arrive pas à se connecter. Ah bah oui, c'est ça, c'est qu'il lui manque la route par défaut. Il lui manque la route par défaut. Parce que si je tente un ping à 1.1, voilà. Il arrive pas. Donc il arrive pas à aller chercher les packages. Ceci explique cela. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, si on veut pouvoir avancer, c'est dire à nos routeurs de transmettre la route par défaut. Donc si je fais un petit show, show conf, à ce niveau-là, en source adresse, non, ça c'est le NAT, BGP. Voilà, donc là je pense qu'il faudrait que je lui dise au fait network 4x0/0. Donc je vais le tenter. Configure. Et je lui dis set protocols BGP. Adresse family. IPv4-unicast. Et ensuite, network 0.0.0.0/24. Commit BGP. Non, ah oui, c'est vrai que je suis en exit show IP BGP. Donc là, j'ai. Ah, il a mis slash 24. Pourquoi j'ai mis slash 24? Parce que j'ai mis slash 24. Configure. On va faire delete protocols BGP IPv4 unicast network 0/24 protocols BGP adresse family unicast network 0.0.0.0/0. Voilà. Et je commit. Et donc cette route là normalement. Ici, je refais un petit show PBGP. Ça y est, j'ai la 0. Alors, normalement, si je fais un show IPRoute, juste IPRoute, voilà. Donc, lui, il l'a en local et il l'a aussi en BGP. Enfin, il l'a en BGP ici et en local ici. Donc normalement, si je fais un trace route vers ouais bah vers celle-ci, on va espérer qu'il passe direct. Ouais, il passe direct. Ok. Donc maintenant, si je viens ici et que je refais un show IP BGP, on voit qu'il y a la route par défaut qui atterrit. Et ici, si je fais un ping 1.1, voire même, on va dire quad 9. Voilà, IPing. Nickel. Voilà, il me dit package upgrade failed, mais le reste est bon. Donc là, si je reviens ici, que je suis un IPA, il m'a passé l'IP en 101. Donc, ce que je vais pouvoir faire, parce que je suis assez, assez confiant maintenant, c'est à ce niveau-là. Lui, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, au fait... Tu connais la route par défaut. Voilà. Lui, il connaît aussi la route par défaut.
on va les mettre ici. Ici. Voilà. Donc, à ce niveau-là, alors, routeur 1. Et on va faire... Ok, donc là on est bon. Et lui de ce côté-là, bah j'ai rien de plus à modifier. Donc ce que je pense que je vais pouvoir faire, c'est au niveau de mon compute, je vais pouvoir rajouter des VPS. Hop. Et lui dire VPS numéro 2. VPS numéro 2. Alors pour ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais les créer comme ça, les uns à la suite des autres. Et on essaiera de voir dans un prochain, dans une prochaine vidéo. Pour les rendre un peu plus comment dire, parce que si c'est juste, oh remarque, si les volumes, les trucs comme ça, je dois pouvoir les je dois pouvoir factoriser le code en faisant des listes et en faisant une boucle. Routeur, routeur, VPS 1, c'est init, donc ça c'est le cloud init. Hop. Alors, on va faire ça. Hop. Hop là. Alors, j'en ai volontiers que c'est un peu répétitif, que c'est pas ultra passionnant sur ce point précis là. Hop, mais... Alors, là c'est le routeur encore, là c'est le VPS, les metadata et les user data. Alors, hop, une fois et deux fois. Alors. Donc ici, ce sera le 2, le 2, le... attends, metadata, ouais, 2, 2, j'ai eu un léger blocage, c'est vrai qu'il y a metadata et userdata. 2, 2 et 3 cette fois-ci. Attends, user data ici c'est 3. Ça y est, je commence à m'en mêler les pinceaux. Ça va mal finir. Non, si c'est bon. VPS 1, VPS 2, VPS 3. Donc comme quoi, sur ces petits trucs-là, il faudra vraiment, vraiment que je fasse une itération parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui peuvent être différents. Par contre, effectivement, cette ressource-là, la ressource vraiment... hop. Alors, pas les timeslip, mais voilà, le libvir domain, lui, par exemple... ce sera peut-être alors, il faudra peut-être voir ce que je peux mettre en liste et s'il y a moyen d'avoir des trucs différents, parce que là typiquement je vais lui mettre 1 gig de RAM et 2 vCPU et puis peut-être que je vais vouloir mettre, oh, remarque le disque, de toute façon j'ai pas trop le choix,
Donc effectivement, ah ouais, mais si je décide de changer de RAM, voilà, si je décide de changer les CPU et la RAM pour mettre un truc plus... ou de créer un deuxième disque, ça peut être... bon. On verra bien, de toute façon. Là, c'est juste pour essayer de mettre en nombre... De mettre en nombre les VM. Donc, une... non, on va faire ça. Hop. Ici, je copie. Hop. Je colle une fois. Je colle une deuxième fois. Et donc là, hop, je vais redescendre tout en bas. Et toi, tu seras le volume numéro 3. Hop. Là, ce sera le fichier Cloud Init pour le VPS3. Pour le VPS3. Et là, ce sera le VPS2. Hop, VPS2. Voilà. Donc là, normalement, si je reviens dans mon Terraform, et que je fais un terraform plan. Ah, il me dit erreur. Ça, c'est intéressant. Ah, il me dit que sur isp3compute.tf, ligne 82. Invalid value for pass no file exist at isp3. Ah oui. C'est que j'ai pas créé mes fichiers de conf Cloud Init. J'ai voulu aller un peu trop vite. Et bah, ça va être très simple, hein. On va aller ici, et puis on va faire un cp-vrp. Et on va prendre ISP3 VPS1, et on va le copier en ISP3 VPS2. Et ensuite, on va faire un sed, on va faire un sed moins i moins e de is. Alors, de e, hop. Je vais y aller directement en sed et pas avec VI. Hein. Pour changer dans tout ce qui est VPS2 en VPS3 dans ISP1 slash étoile. Voilà. Ensuite. Copie sur lui et ensuite à ce niveau-là je lui dis et j'avais pas été très malin, c'était VPS1 VPS3 voilà et sur le VPS2 c'était VPS1 VPS2 sauf que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Alors si je regarde déjà le metadata, ah, c'est ISP1, tiens. Je me suis trompé. Allez, on va recommencer parce que je veux pas prendre de risque. Ah, mais attends. Attention. Metadata. Ouais, il est encore en ISP1. Voilà. Allez, on va recommencer du coup. On va faire sauter ça et on va faire sauter ça. Voilà. Maintenant, on refait les copies. On recopie d'abord le ISP3 VPS1 vers le VPS2. Et on recopie ISP3 VPS1 vers ISP3 VPS3. Voilà. Ensuite, on va pouvoir relancer les commandes sed qui vont me permettre de faire de la modif comme ça à la hussarde. Voilà. Et on reprend celle sur le VPS1, VPS3. Voilà. Ensuite, on va aller ouvrir dans ISP3, VPS2. Par précaution, le metadata. Ah, avec un seul MVIM. Ce sera pas mal. Donc là, on est bon. On va ouvrir le user data. Et là, par contre, il y aura des modifs. Donc ça, c'est bon. On a.
le NM Cli ici, on va le changer. On va juste mettre 102. Et puis ici, vu que c'était en majuscule, il faut mettre VPS2. Hop. Ça c'est bon. Voilà. Et on va faire pareil. Metadata sur le ISP3 VPS3. Donc là on est bon aussi. Et sur le user data, on va changer pareil. Là, jusque là, tout va bien. Et il faut changer ici l'adresse IP. On va mettre 103. Alors je pourrais me contenter de les mettre en DHCP, hein, mais pour l'instant, ce qui m'amuse, hop, c'est d'essayer de les mettre en fixe. Donc là, si je retente un Terraform plan, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est plutôt bon. Il veut ajouter 3, 9, 3 à changer, 3 à détruire. Qu'est-ce qu'il veut détruire? Qu'est-ce qu'il veut détruire? Ah oui, c'est que comme j'ai rajouté des confs au niveau cloud init, il veut remplacer le fichier, le fichier de disque avec le nouveau fichier de disque qui contient du cloud init. Notamment pour le fichier ISP3 VPS1. Les confs BGP qui sont dans les fichiers de conf cloud init. Alors, qu'est-ce que ça aura comme impact? Ça aura comme impact que le fichier de disque sera pas le même, mais ça va pas forcer à appliquer la conf dans la machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ouais, vas-y, YOLO. Voilà. Et puis, si jamais ça marche pas bien, on détruira et on recréera. Voilà. Donc là, normalement, il vient de me pop deux VM, en plus. Donc, ils sont ISP3, VPS2 et VPS3. Hop. Alors, je vais les ouvrir comme ça. Et on peut voir que ça défile. Ça défile, c'est cool. Et là, ça défile aussi. Ok. Alors. Hop. Non, on peut rester comme ça. On va faire ça. On va aller voir ce qui se passe ici. Donc ça doit continuer un petit peu à défiler, je pense. Enfin, je disais je pense, mais bien sûr, le truc va me faire mentir. Ah, il a fini en fait. Donc on va tenter. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite, si je fais un rpm-q ifstop. Package ifstop is not installed. Mais pour sa défense, voilà, il a pas fini. C'est vrai que je m'impatiente un peu à chaque fois lors du démarrage de Cloud Init sur les machines de type VPS. Mais globalement, voilà, et là il est en train d'installer tout, on vient de voir, nickel. Bah oui, maintenant qu'il y a la route par défaut, tout de suite c'est mieux. Bon allez, je vais pouvoir committer ça, je pense. Je devrais... Si vraiment je voulais être, on va dire, jusqu'au boutiste, ou en tout cas très, très à cheval, il faudrait que je vérifie. Bah tiens, je vais peut-être le faire. Ah bah oui, ça va mieux quand on peut contacter les internets. Je suis complètement d'accord avec toi, Jikargo. Tout de suite, ça fonctionne mieux, hein. Hop. Et là, c'est pareil. Hop. Et si je fais un petit rpm-q iftop. Ah, il l'a installé. Donc là, c'est bon, il est un peu plus loin dans l'install. Donc là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, git status. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est pouvoir faire un git add de ça. Et ensuite, un git add cloud init ISP3 étoile. Et on va faire, hop, user, virgule, meta-data. Git status. Voilà. Et git add. Pas git add, git commit, -m, ISP3
add new ESP. Voilà. Non, mais juste add new. Et git push. Voilà. Voili, voilou. Nickel. Le routeur 2, il peut contacter ISP3, il peut contacter ISP1. Bon, ça, il l'avait déjà. Et le routeur 3. À qui on a filé. Voilà, la route par défaut. Dont d'ailleurs, lui, techniquement, elle lui a été fournie par juste lui. Donc ça pourra être amusant une fois qu'on aura fini de mettre tous les ISP. Ce sera marrant de tester, par exemple, d'éteindre le routeur ISP1 et de voir si ISP3... ou alors non, de déteindre ISP2, pardon, et de voir si ISP3 repasse par tout le tour pour aller chercher sa route par défaut. Ça pourrait être amusant. Mais bon, on n'y est pas encore pour l'instant, on vient de faire le ISP3. Je pense que jeudi prochain... alors, soit on continue... remarque, les autres ISP, là, il n'y a rien de bien folichon. Donc soit on se dit, la prochaine fois, on fait les trois ISP, on met juste les routeurs pour la blague. Et après, on verra ce qu'on fait dedans. Soit on essaie de factoriser un peu le code ici. Ce qui peut être une autre possibilité. Et ensuite, ce qu'on pourra envisager de faire, c'est de commencer à se lancer dans de la gestion de conf Ansible. Parce que là, il y aura 3 VPS et on pourra envisager de mettre des sites web dessus. On pourra mettre en place des serveurs web statiques. Ou dynamiques, même. Donc les possibilités commencent à devenir franchement franchement intéressantes là, maintenant qu'on a... Et alors, si on regarde où est-ce qu'on en est actuellement, en termes d'occupation... Tiens, je suis étonné. Il n'a pas l'air de consommer des masses de mémoire. Il est pas up lui. Hop là. Ah bah non, il peut pas. Network already active, mais il le. Bon. Parce que en fait, moi, ce qui m'interpelle, si je reviens ici, que je fais un petit sudo htop sur ma machine locale, il consomme que 2 gigs sur. Alors il me dit 12, mais j'ai 16 gigs de RAM normalement. Il m'aurait pas. Ah non, c'est la swap. Autant pour moi, ça c'est la swap. Mais je suis à 13 gigas d'utilisé sur 15. Donc, je vais commencer à arriver. Pas de soucis, Manon. De toute façon, j'ai bientôt fini. Bonne fin de soirée à toi. À bientôt. Mais ouais, je commence à être à 13 gigas utilisé sur 16. Sachant que bah, toutes les machines, lui, c'est 1 gig de RAM. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6... 7,5 puisque j'ai 512 MB par routeur, donc je suis à 7,5 GB de RAM utilisé, donc je suis à presque la moitié de ma RAM utilisée. Je pense qu'on va commencer à se demander si on va pas rebasculer cette maquette là sur un autre truc, sur bah, notamment mon HomeLab. Bon, et ben hop. Eh ben, ce fut une soirée fort, j'ai envie de dire quelque part, fort productive, mais en fait, c'est surtout efficace, hein, j'ai envie de dire, parce que on a quand même bien avancé sur sur la mise en place de la maquette. On a déjà la moitié de nos opérateurs, de nos fournisseurs d'accès. On a les machines qui sont popées.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les configurer, ouais, et à rajouter les opérateurs manquants. Donc il y a moyen que ça commence à prendre un peu plus de vitesse, enfin, j'espère, dans les prochains streams. Voili, voilou. Alors, avant que je déroule ma petite conclusion, mon petit outro, est-ce que par le plus grand des hasards, on aurait du monde à raider? Non, pas ce soir. Ça a l'air d'être calme en ce moment. Hop là. Je m'étais dit que ça faisait un moment que j'avais pas raidé quelqu'un. Et en fait, ce soir, il n'y a personne à raider. Donc, bon. Eh ben, tant pis. Toujours est-il que si jamais cette vidéo vous a plu, je stream les jeudis de 20h à 22h, à peu près, et les dimanches de 18h à 20h. Si jamais vous voulez regarder les vidéos en replay, donc le replay sur le court terme, bah, c'est sur Twitch, pendant 2 semaines, et beaucoup beaucoup plus tard après, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Normalement, si vous regardez cette vidéo en replay sur Twitch, par exemple, ou pas, vous avez en dessous tous les liens pour aller me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc bien entendu la chaîne YouTube où il y a les replays, le compte Twitter sur lequel j'annonce mes streams au moment où je démarre, et aussi Mastodon où j'annonce aussi mes streams quand je démarre, et il y a aussi le serveur Discord sur lequel je poste les liens du live généralement, quand j'ai les liens à vous montrer. Voili, voilou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous ben, à dimanche pour un nouveau stream, ou à jeudi pour un stream sur la suite de ce Lab as Code. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bye bye!